Et on est de retour pour plus de Remnant. Donc on est invocateur et soin. Invocateur, médecin. Donc on va voir un peu. On va continuer ça. J'ai changé un anneau, je vais vous montrer. Donc c'est l'anneau qui permet de faire du vol de vie. Je suis pas en couverture. Ça permet de faire du vol de vie. Les sbires invoqués volent de la vie des ennemis, vous soignent à hauteur de 5% de dégâts de base qu'ils infligent. Ça peut être pas mal pour... ça peut être pas mal, on va dire. Donc on va continuer comme ça. On va voir un peu. J'ai changé aussi le mode de mon arme. Je vais vous le montrer après. Alors, on était là. Donc ça, on avait fini. C'est... je sais plus où je l'avais... Je crois que je l'ai vu en stream, ce mode-là. Enfin, l'objet, en tout cas, le boss et tout ça. Et je crois que c'était dans la jungle. Vu la tête de l'arme, je crois que c'est dans la jungle. Je sais plus exactement lequel, c'est ça. Le tremblement. Donc ça fait une onde de choc et tout ça. Donc on va voir ce que ça fait. Ah oui, oui, c'est dans la jungle. Je l'ai fait en coop. Je l'ai fait en coop. Et j'ai du carry. J'ai du carry. C'était triste. Mais ouais. C'est parti. Ah oui. Invocation. Invocation. Alors, fais voir un peu. Oh putain, c'est comme ça. Oh là là. Moi, ça fait pas de dégâts à moi. C'est sympathique. Ouais, je suis pas très vendu encore une fois. Mais bon, dans des petites zones, dans des couloirs et tout ça, je pense que ça va être bien. On va aller là, dans cette structure. J'ai un peu augmenté aussi cette arme là, en niveau. Je crois que je lui ai mis 2 ou 3 niveaux de plus. Je crois qu'elle a plus 7 maintenant. Ouais, plus 7. Et allez. Alors, où est-ce qu'on va? Là. Encore une usine. Ouh, ok. Il y a un secret, c'est ça? Attends, il y a un passage là. Non. Attends, je suis déjà venu ici ou pas? Ah, oui, non, mais j'ai fait moi l'autre endroit. Okay. Je vois. Bizarre, c'est la première fois que je vois des structures comme ça. Enfin, la dernière fois, on les avait vus aussi hein, de loin, mais c'est pas trop. S'il y a des secrets ou pas. Là, on dirait qu'il y a un trou, on est d'accord. Thank you.
truc. Anneau de détonation. Il y avait bien un truc. Augmente les dégâts explosifs de 10%. Oh, ça, on va le mettre en rapport. Ah, du coup, elles ont été tuées, mes créatures. Ah, ouf. Ça fait des dégâts à ma créature ou pas? Un deux shot. Je dois avouer que l'onde de choc, il y a un coffre derrière. Casque de navigateur. Comment ça? J'ai tiré sur ça. Attends, comment j'ai eu le casque? Comment j'ai eu le casque, moi? J'ai tiré sur le bidule? Une sorte de coffre? Il y en a d'autres? Faut que j'aille récupérer le coffre. Ça c'est quoi? C'est pour revenir. Ah non, c'est ça. Détonateur. C'est une amulette. Augmente les dégâts d'explosion de 25%. Les explosions infligent 423 dégâts de brûlure en 5 secondes. Waouh, 25%. Casque du navigateur. Il est difficile d'imaginer quelqu'un pilotant un monde tout entier, mais c'est pourtant. Pour cette personne, ce que gouverner a été conçu. Ce gouvernail a été conçu. Les prises permettaient à parler de Nerud directement. Il disposait de dizaines de pilotes, tous travaillant de concert entre eux et avec le monde lui-même. Ça fait quelque chose de le mettre. Ouais, c'est pas mal, c'est sympa, j'aime bien le look. Pas un peu chasseur et tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Ça augmente ma vitesse de course aussi. Désolé, hein, je suis pas habitué encore. Sacrifie, corps à corps, distance entre nous. Non. J'ai l'impression que je cours plus vite. C'est ça? Non, en fait, non, je cours à la même vitesse. Bon. Est-ce qu'il y aura un autre coffre qui pourra tirer dessus? Très étrange ce qui se passe, j'avoue que je suis un peu confus. En tout cas, l'onde de choc est bien, mais dans les couloirs ça va être vraiment bien. Après, l'onde de choc est quand même bien grande, ça c'est cool. Donc du coup, la structure on l'a faite. Oh, il y a du bleu. Doit être un. Je crois que à chaque fois c'est. Le bleu c'est le trait, non? Donc ça ne sert plus à rien. Ouais.
ça me sert à rien. Oh mon dieu. Ça va te faire écraser. Yes. Pas mal. On descend juste au cas où. Moi je veux bien redescendre juste au cas où. Un peu perturbé là pour le par le masque. Pas grave. Allez, on avance. Suivant. Là, on a de la... Là, ça, c'est la structure. Là, on a des trucs. Un peu moins de défense le masque hein, par contre, mais bon, on déclasse. Ça a l'air de bien déstabiliser le zone de choc. Il y a un truc en bas. C'est marrant, les classes. On joue vraiment différemment à chaque fois, c'est vraiment sympa. Les modes aussi. Non ouais, donc ce mode c'est surtout tout sauf les zones ouvertes quoi. Genre là, ouais, ça peut être pas mal. Ah, les dégâts sont potables. Alors ça c'est... Ouais, bah voilà. Un truc que j'ai déjà. J'ai pas eu le temps de le lire, il l'a pris automatiquement. Cassos. Cassos, hein.
J'adore activer cette, ce type d'arme en fait avec ces modes là. Mode de la jungle là, le Yaisha c'est vraiment classe. Quelque chose là. Oh. 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 Ça c'est bien ça. Truc un peu perdu, hein, je vais être honnête. Yo. Donc ça c'est les structures qui avec les choses qui montent et qui descendent. Cool. C'est au moment où j'ai plus mes invocations, c'est sympa. Bien joué. Ah putain de toi. Les invocations qui sont mortes vraiment au mauvais moment. C'est pas grave. Faut les tuer petit à petit parce qu'en fait il y avait trop d'ennemis d'un coup. C'est bon là les dégâts? Créature de plus. Ouais, là. Ça y est. Est-ce qu'il y a des choses secrètes? Pas impression.
Sérieux, d'où ils viennent les dégâts? Oh merde. Je suis contre là, ouais. Jolie esquive. Évidemment. Un peu relou. Putain. Bon. C'est sympa, mais... Ah, c'était sympa. On a testé, on a vu ce que ça donnait. Un truc. Faut absolument qu'on soit genre dans des... Comment ça s'appelle ? Dans des petites zones, parce que sinon c'est la galère. Je crois que j'ai mon nouveau pouvoir de... Ce que c'est... Leur disparition, les sbires créent un aura de 3 mètres et donc qui restaure 2 par seconde. Donc on peut soigner en les tuant, ça marche. Oh, j'en ai marre de courir. On peut trouver une structure là? On n'a pas fait. Ok, j'ai trouvé une nouvelle structure. J'arrête pas de vomir, ça me prend la tête. Ça me prend la tête. J'ai fait une coupure. Je crois que ça doit être une des dernières structures. Directement foncé. J'espère que ça va passer. Allez, 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 allez. Nickel. J'ai fait une coupure parce que je tournais un peu en rond en fait. Je tournais un peu en rond et ce que je faisais c'est que pendant 20 minutes j'ai fait que m'énerver en fait. Parce que j'aime vraiment pas cette zone. C'est une zone horrible. Genre je suis mort au moins 5 fois d'affilée. Juste dans le désert en fait. En tournant en rond, en essayant de trouver une structure.
Et entre les zombies et les trucs qui volent, ceux qui volent, c'est le pire avec des missiles à tête chercheuse là, qui vous balancent des trucs à tête chercheuse. C'est une catastrophe. Donc j'ai coupé, j'ai dit on va arrêter parce que là je m'énerve pour rien, c'est pas intéressant. Puis en fait je fais que tourner en rond. Donc voilà. Tome de l'invisible. Ok. Donc ouais, c'était bien chiant. Maintenant on est reparti. Donc c'est quoi, robot? Puis invocateur, honnêtement, à l'extérieur c'est horrible. Surtout quand les monstres se font défoncer, vous avez plus rien en fait. Changer d'anneau, j'ai remis l'anneau là qui met un bouclier. Quand il va où celui-là, il descend. Un bouclier quand je suis à 25% de vie. J'ai rechangé mon casque. Et j'ai remis la flèche aussi. Ça aussi, une fois que les traits sont au max, donnez-moi de l'argent à la place, peut-être? Non? Vous avez pas pensé à ça? Vu que l'argent, on en a toujours besoin. La monnaie. Mon dieu, derrière moi. J'en ai entendu un, mais... Ah, ça gueule de tous les côtés, putain. Défonce-le! Merci. On a tout fouillé ou quoi? Ah mais non, c'est le retour là, ok, ça marche. Je vais être honnête, vivement qu'on finisse cet endroit. Ouais, là, le désert, c'est pas mon truc le plus intéressant. J'aime vraiment pas. Ce que je vais faire, en tout cas, c'est essayer d'avoir la classe, là, la trouver. Ingénieur, je sais pas quoi. Je sais même pas ce que ça fait. Je sais pas, je crois qu'il y a des tourelles, peut-être, un truc comme ça. Je sais pas. Non! J'ai été bloqué sur la paroi. Je voulais voir en fait où ça descendait. Je me suis trop approché du bord, il s'est bloqué sur le sort. Putain. Aïe 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 hein. Ah c'est fatigant. Oh là là là, c'est devenu fatigant là par contre. Là il faut que j'arrête après. Là.
fait exploser. Bah, il y en a un qui était déjà mort, mais je crois que ça a compté. Tant qu'il... En fait, tant qu'il a écrit le nom, même s'il n'y a plus de vie, je crois qu'on peut les faire exploser quand même. Quoi ? Ah putain, ok. Zéro bruit, quoi, pas mal. Elle est pas mal celle-là. Donc ce que je disais, c'est que je crois qu'on peut les faire quand même exploser, même s'ils ont plus de vie, ils sont techniquement morts, mais ça marche, on a encore un temps. Du coup, ça permet de récupérer l'habilité. Ah oh, putain, il y a un passage là. Alors... Il y a un passage. De récupération à faible rendement. J'espère que les autres invocations, les prochaines, elles sont mieux quand même. Après, ils devraient augmenter le nombre d'invocations. Je sais pas si c'est possible. Genre qu'on passe à 3. On retourne ici. Non. Ouais, si, 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 si. Ouais, genre repasser à 3, je vois. Comme ça. Bon, après, il monte bien de niveau parce qu'on est quand même en cauchemar maintenant. Mais après, tous ces trucs-là, honnêtement, les habilités, je les trouve vraiment nulles. Je les trouve vraiment nuls les compétences en fait. C'est, ça tourne tout autour du vol de vie et tout. Enfin, je sais pas. Rends-moi les trucs plus puissants quoi. Par leur tirer dessus, je sais pas, faire autre chose. J'aime pas ça. Joint hermétique. On détruit de tous les côtés. Quoi il est... Ah ouais. Ok cool. Moi je ferais un invocateur support, parce que ça fait des... Je pense que l'invocateur, en fait, il est pas là pour faire des gros dégâts. Vu comment il fonctionne. Je dirais qu'il est plutôt là pour faire un support.
Parce que quand les trucs meurent, ça met des flaques de vie. Ouais, on est bon. Ça met des flaques de vie, donc techniquement, c'est pas pour faire du dégât, c'est surtout pour supporter. Et moi, ce que je ferais, ce serait genre peut-être support médic ou support alchimie. Et vous restez un peu en arrière. Je ferai ça et en gros vous restez un peu en retrait. Techniquement vos alliés bah, ils foncent un peu vers les ennemis. Vous, vos pets vont foncer vers les ennemis. Quand ils sont bas en vie ou alors quand vous les soignez vos alliés, vous les faites exploser. Ça fait des marques qui soignent. Et puis ouais, ça soigne vos alliés et vous faites ça en fait. Donc support. Je pense que ça serait terrible. Je pense que ça serait très intéressant comme ça. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut le jouer. Donc niveau dégâts, c'est pas trop ça. Ah, c'est le système avec les boules ici. Merde. Alors ça, c'est mieux si vous êtes à deux, honnêtement. Les boules pour ouvrir les portes en fait. Ah, c'est nul. Donc en gros le but c'est d'aller en bas. C'est là que j'essaie de me jeter avec Challenger, mais le jeu vous tue avant de toucher le sol. Donc du coup vous pouvez pas. Vous êtes obligé de faire le puzzle. Je crois pas que c'est là qu'il faut aller en premier. Non, c'est pas là qu'il faut aller. Faut monter. Mais honnêtement, à 2 c'est beaucoup plus simple. Enfin, à 3. J'ai débloqué une autre invocation. Par contre, j'ai ça. Sacrifice accorde 3 points de vie pour chaque sbire sacrifié. Vol de vie, pardon. Pour symbole. Là, on a un truc un peu pourri, c'est pas fun ça. Donc là il faut mettre une orbe pour récupérer l'orbe. Je sais même plus où on la trouve la première. En face. Où il y avait le robot qui me tirait dessus. Allez, avec l'endurance là, tout pourri. On y va. Ah putain, je me perds. Non, ça c'est pour descendre où on peut pas. Mais si là c'est pour descendre là où on peut pas aller. Désolé. Ah mais boule, là. Voilà. En gros c'est ce qui se passe. Donc nous, il nous en faut une autre. Il faut passer autre part. Donc, prenez celle-là. Putain, je suis toujours en combat. Mon endurance, elle n'est pas illimitée, c'est relou. À cause de lui, là. Faites ça. Très con, ce système. C'est... du perte de temps. Là, il nous faut une boule. Mais après là c'est juste des récompenses. Si je crève, je fais un câble. Oh mon dieu, mais putain! Oh là là, oh là là.
cette zone. Les trucs sont en train de gogoliser contre le mur parce qu'ils essayent de d'attaquer ceux qui sont hors de portée. Là, c'est pas fun. Là, on a une porte, enfin une boule. Non, si on peut le faire solo, en entier. On peut monter. Hop, tirez pas dessus. J'ai pas de boule. Par contre, raccourci ou pas? Ouais. Ok. Mon dieu! Ah, j'ai vraiment pas envie de mourir hein, parce que sinon il faut tous tuer tout le monde encore. Toutes ces animations elles prennent 100 ans à jouer. Toujours en train de gogoliser, c'est bien. Fun, hein. Fun ici, hein. Putain. Je crois qu'après ça, on a fini l'endroit. Le désert. Je crois que je vais zapper le désert. Même s'il reste un morceau, on va faire autre part. Ça me prend la tête. Même là, j'ai peut-être pas vraiment envie de tout faire. Parce que je l'ai déjà fait. Donc, je suis pas sûr de vouloir faire le reste. Qu'est-ce que... Les petits... Non, 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 il est presque mort. J'ai pas de balle. Oh, la vache. Il y a un autre truc. Ça, c'était encore un anneau.
Mais avec ça, c'est pas fini. Il faut faire encore système de boules là. Pas tout en fait. Donc ça, c'est raccourci. Raccourci pour l'escalier. Pour l'ascenseur, pardon. Je crois qu'il faut. Je sais plus, il faut prendre une boule, il faut revenir et tout ça. Il y a un trou aussi à prendre. Parce que vu qu'à plusieurs, vous avez. Là, votre inventaire il est partagé pour tout ce qui est objet de quête. Donc du coup, un prend l'orbe et après le deuxième ouvre la porte et tout ça, ça va nettement plus vite. On va pas se reposer parce que sinon. Oh, j'ai pas envie de le finir honnêtement. Vous pouvez regarder, genre, je crois que c'est le quatrième stream. On l'a fait en quoi, si vous êtes vraiment intéressé. Je crois qu'on peut prendre ça. Il y a un endroit où il faut tomber. C'est là, je crois. Ah, c'est là. Voilà. Et là, il faut mettre une boule. Ouais. Il faut mettre une boule et ça ouvrira cette porte. Ah mais je crois qu'il faut être à deux en fait, parce que je peux pas passer sinon. Hmm. Ouais, peut-être être à deux pour le finir, je dirais. Bon, on va s'arrêter là. C'est bon, j'ai eu ma dose. J'ai eu ma dose du désert, on va s'arrêter là. On a fait quoi, deux ou trois épisodes je crois dans le désert, ça me suffit. Honnêtement, c'est vraiment pas ça du tout. Donc on fera autre part. On fera la jungle en cochon. Ah parce que il me faudrait. Il reste une porte là, mais là je crois que c'est juste un petit coffre. Et la porte tout en bas rouge, c'est celle qui nous intéresse. Mais je crois pas que je puisse y arriver. C'est en fait faut que quelqu'un tombe là où je suis tombé. Mais du coup il faut passer cette porte. Vous voyez ce que je veux dire? Faut aller là. Donc du coup, je sais plus trop comment il faut faire pour faire ça. Je sais même pas où aller l'autre. L'autre boule, elle est en haut. Ou elle est en bas. On va voir. Ouais non, honnêtement à deux c'est nettement mieux. Ouais non là je vois pas comment le faire. Je sais même plus où j'ai mis le... Ah là. Ah peut-être que je peux faire ça à la limite. Je vais voir un peu. On prend celle-là. Donc là, on... Non, on l'a déjà fait. Ah, ça ouvre cette porte là maintenant. Voilà. Je prends. Sphère de relique. Ça c'est une relique. Je crois que c'est celui-là, le cœur protégé ou alors le cœur siphonné, l'un des deux. Ouais. Bon ben voilà. Ouais, on va s'arrêter là, c'est bon, j'ai eu ma dose. J'ai eu ma dose de cet endroit. On va voir ce qu'il nous reste. On va rentrer. Il y a des lieux comme ça que c'est nettement mieux à plusieurs.
Mais ouais, mais vous pouvez prendre tout solo, du coup, à cet endroit, ça va. On va récupérer une relique de plus. Je sais pas si on peut en avoir 10. Je sais pas si c'est... Je sais pas le maximum ce que c'est. Là, on a eu de la chance. Honnêtement, je suis resté très longtemps sans relique en plus. Genre, j'étais resté très longtemps à 4, je crois. J'en ai trouvé qu'une seule. Et genre, deux biomes plus tard, genre une vingtaine d'heures de jeu plus tard, j'étais toujours à 4 de relique. Et après, d'un coup, j'ai commencé à en trouver, genre, d'affilée, quoi. Genre, en 2-3 heures, j'en avais 2 ou 3 de plus. Ils n'aiment pas que... Les textures qui mettent... Qui mettent un temps à s'afficher, ça aussi, ça me fait rire. Il est bien, Unreal, hein. Quand on le maîtrise. Bon ben on est à 10 reliques. Putain, 10 reliques c'est vraiment top hein. C'est pas mal. Mais je crois qu'on a fini hein. De toute façon. Ouais, on peut... Alors, techniquement non, on n'a pas fait le boss. Donc techniquement on n'a pas fini. Ouais, il nous manque un endroit ici. On a fait ça. Là peut-être. Ouais, ouais, il nous manque. Je crois qu'il nous manque un seul endroit. Ça doit être genre tuer le boss de là. Puis après, il faut revenir donc à la prison oubliée. Non, enfin au refuge là, de Tal Rata là. Il faut lui donner l'objet. Et après, lui, on le tue et puis c'est fini. Bon, on verra. On verra si j'essaye de finir ou pas. Ouais, on essaiera peut-être de finir. Si je me motive. Mais ça m'a un peu gavé. Ça m'a un peu gavé. Peut-être refaire mes points de trait aussi, je sais pas, pas sûr. Ouais. Mais ouais, invocateur c'est bien pour supporter. C'est pas solo, je pense pas que ce soit top. À moins que vous soyez pure distance, à la limite. Mais bon, bof quoi. J'aime pas trop en solo. En tout cas, à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao!